Salut les amis, la famille. Aujourd'hui, on va préparer une salade de pâtes, de macaronis avec des légumes. Alors, j'ai 200 g de macaronis, une petite tasse de petits pois et deux carottes coupées en tout petits morceaux. On va faire cuire les macaronis dans de l'eau bouillante et salée pendant 9 minutes. Après les 9 minutes, on va les égoutter et laisser refroidir. Voilà. Ensuite, on va mettre les carottes à cuire. Alors, les carottes sont coupées en tout petits morceaux, donc ça va prendre 6 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer la vinaigrette ou la sauce, mayonnaise, sauce aigre, une petite cuillère de moutarde de Dijon, une petite cuillère d'ail en poudre, d'oignon en poudre et une petite cuillère de sel. Voilà, on mélange très bien. Alors, les carottes sont cuites après 6 minutes, on rajoute les petits pois. Et on va laisser cuire encore 5 minutes. Après les 5 minutes, on va les égoutter et laisser refroidir comme les pâtes. Voilà. Alors, dans un saladier, on rajoute les pâtes bien cuites et froides, ainsi que les légumes, carottes et petits pois. Voilà. Et à tout ça, on rajoute la sauce ou la crème. Mayonnaise, sauce aigre et moutarde de Dijon. Et les ingrédients, c'est l'ail en poudre, l'oignon en poudre et le sel. Voilà. Et on mélange très bien. Et je vais la couvrir et la laisser dans le frigidaire pendant 2 heures. OK? Voilà, on couvre très bien. Après les 2 heures, on sert cette salade dans des petits plats. Elle accompagne très bien les barbecues, les pique-niques. Très bonne comme salade et très fraîche. Et c'est très facile à faire et c'est très rapide. Et elle est très bonne en plus. Bon appétit !